Comme ça, tu peux pas venir luncher avec moi. Oh non, impossible, j'ai trop de choses à faire. À part ça, Louis est prêt à Sherbrooke de ce temps-ci. C'est plus une étudiante, elle. Elle travaille maintenant, elle. Écoute, Huguette, tu sauras que l'an prochain, je vais être en maîtrise et qu'actuellement, je fais même des stages en psychologie. Hey, il va falloir t'appeler docteur bientôt. Ah, oh, ben oui, c'est vrai, ça. Docteur Jérôme Hamelin. Oh, puis tu vas être obligé de me recevoir sur ton divan bientôt. Louis, Huguette, pour fin professionnelle, tiens, Huguette. Docteur Hamelin, je me sens neuropathe. Je pense que je vais avoir une crise de schizophrénie. Pas si vite. C'est moi qui décide des maladies. Et pour le moment, j'étudie les problèmes de couple. Ah, ça va être utile pour nous deux, ça. Au fait, Sylvie, tu sais, le professeur Dallaire, le spécialiste en psychologie du counseling puis en psychothérapie, il a accepté de diriger mon travail. C'est lui que je veux comme directeur de thèse. Bon! Et que j'aurais donc aimé ça, moi, étudier en psychologie. Il me semble que j'aurais été bonne là-dedans. J'ai la force de caractère puis l'équilibre nécessaire. Je suis un tempérament solide. Mais mon père a pas voulu m'envoyer à l'université. Ça fait que je fais rien de bon, puis... J'ai raté ma vie. Voyons. Voyons, Huguette. Jérôme, parle-lui. Dis-lui quelque chose. J'ai pas encore étudié ça, moi. Ah, mon Mario. Le mariage, c'est pas toujours facile. Ouais. Voulez-vous toujours savoir comment ça coûterait d'envoyer à New York en fin de semaine? Hein? Vos dommages à New York en fin de semaine, combien ça coûte? Ah oui, calcule-moi dans ça. Et que ça risque donc toujours de devenir pénible. Pénible, beau dommage, oui, non. Mais non, pas beau dommage, le mariage. Vous êtes en cours là-dessus. Mais on s'en reparlera, si vous voulez bien. Bon, mais en entre-temps, moi, allez-vous calculer ça. Oublie pas les imprévus, hein. Mais non, voyons, on est comptable consciencieux comme moi et qui plus est chevalier de colon. Ouais, on a beau être consciencieux le jour de son mariage, on peut pas penser à tout. Vous êtes encore là-dessus? Vous pourriez pas lâcher ça quand vous venez au bureau? Prends ma femme, Florence, par exemple. Malgré toutes nos années de vie commune, elle comprend pas encore que je peux pas prendre de vacances quand elle veut. Ben oui, mais Florence, une femme intelligente, sympathique, elle va finir par comprendre. Ça fait assez longtemps qu'elle veut. Ah, ben, aimé. Tiens! Et puis, si t'es pas d'accord avec cette date-là, ben tant pis pour toi. Ben oui, Florence, je t'ai expliqué mille fois là, que c'était pas possible pour moi de m'absenter pour 3 semaines. Tu refuses? Mais non, je refuse pas. Je te dis que je peux pas faire autrement. Vous voyez, M. Duquette, c'est de la mauvaise volonté. Ben, pour vous dire la pure et franche vérité, là... Tu vois, Mario, Florence veut rien savoir. Elle veut pas m'écouter. Tu trouves pas ça stupide, toi? Pour vous dire la pure et franche vérité... Arrête donc de toujours te cacher derrière tes employés, hein. Vous trouvez pas, M. Duquette, que mon mari est toujours en train de se cacher derrière quelqu'un d'autre? Mais... Pour vous dire la pure et franche vérité. Veux-tu arrêter de raconter à tout le monde nos petits problèmes personnels? Tu trouves pas qu'elle exagère, Mario? Pour vous dire la pure et franche vérité. En tout cas, je te donne 24 heures pour réfléchir, hein? Ah bon? Des menaces? Des menaces, oui! Avec toi, il n'y a rien que ça qui marche. Madame Lemay, que vous allez faire, là, vous, pendant ces 24 heures-là? Oh, vous, taisez-vous, on vous demande pas votre avis. Dans 24 heures, là, j'aurais fait ma valise. Et puis, pas pour faire un voyage, non. Pour retrouver ma liberté. Tu sais que si tu fais ça, hein, tu sais à quoi tu t'exposes, toi. Patron, veut-elle s'exposer? Toi, veux-tu te taire? Je t'ai pas demandé ton avis. Tu t'exposes à te retrouver toute seule, puis compte pas sur moi pour une pension. Ben, j'ai pas besoin de ta pension. J'ai pas besoin de toi pour vivre. Heureusement, j'ai de l'argent, moi. Tu veux là? Adieu! Ah, est-ce que Mario est encore dans le bureau de M. Lemay? Mario, oui. Mais il est occupé. Les hommes, c'est toujours très occupé. Ça discute de choses graves. Des choses graves dans la vie de Mario? Ah oui, dans la vie de Mario, justement. Il se passe des choses tellement graves dans la vie de Mario. Ouais, elle a l'air décidée, patron. Pour moi, c'est une vraie de vraie. Au début, je réagissais comme toi, mais maintenant, j'ai l'habitude. Ça, je peux vous dire que si ma Thérèse me faisait des crises de même, je me poserais des moses de questions. Ouais, mais j'ai fini de me poser des questions. Je commence à me poser des réponses. Patron? Mario, est-ce que je peux te demander quelque chose? Vous savez, vous pouvez me demander n'importe quoi. Je m'étendrai tout du long sur la voie publique pour vous. Dis pas un mot à personne de mes petits problèmes avec Florence. J'aime pas le tacotage. Promis, patron. Bon. Ah, mon Dieu. C'est donc dur, hein, les problèmes de couple.
Là, je vous avoue que je commence à comprendre le film de Birdman. Birdman? Mais oui, vous savez le film là, sur les problèmes de la vie conjugale. Ah, tu veux dire Bergman? C'est ça que j'ai dit. Ben voyons, charrie pas, Mario. Florence et moi, on est tout de même pas des personnages de Bergman. Ah, on dit ça, mais regardez là, dans le film. Ça commençait doucement. Mais à un moment donné, là, ils se sont mis à se garocher des affaires en pleine face. Quand t'as pas les couteaux, c'était des fourchettes, c'est à grand coup de pied, par grand coup de poing. Vous m'avez pas, Thérèse et moi, on était dans le sol à la maison. On regardait ça à la télévision pour on se dit, ça se peut-tu? Des êtres humains se faire tant de peine que ça. Tout à l'heure, là, je vous vois, vous, avec Florence, les dépliants, la bataille était prise. Ça va, Mario, ça va. Excusez-moi. Justement. Geneviève est supposée passer à l'appartement ce soir, le décompte de dépenses à se faire payer. Elle part demain pour Toronto. Ben, c'est téléphoné. Il y a quelque chose qui va pas, Mario? Moi? Ah non. Mais quoi? C'est donc dur, la vie de couple, hein? La vie de couple? La vie de couple te préoccupe en ce moment? J'ai un ami qui a des problèmes conjugaux. Bien sûr, t'as un ami qui a des problèmes conjugaux. Sa femme menace de le quitter. Quoi? À venir jusqu'aujourd'hui, ça roulait sur des patins roulettes. Puis là, tout à coup, crac, boum, faut que ça craque. Tiens, toi, t'étudies la psychologie. Peux-tu m'expliquer pourquoi, ça? Justement, Mario, j'étudie les problèmes de couple en ce moment. Ah, ben ça m'intéresse. C'est pas pour moi, c'est pour un ami. Oui, bien sûr, c'est pour un ami. Es-tu capable de me dire pourquoi on vit une période où tout le monde se sépare? Ben, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Tout d'abord, il y a le mouvement de la libération de la femme, qui a joué un grand rôle là-dedans. Et puis, la révolution sexuelle provoquée par la pilule, et puis... La pollution. La pollution, et puis... Pollution? Remarque, Mario, qu'on pourra envisager toute cette question sous l'angle d'une sorte d'écologie de l'affectivité. Les phénomènes perturbateurs devenant les éléments pollueurs. Très, très bien, monsieur le professeur. N'empêche que si on pouvait trouver une vague de remède dans cette mer de mots, il y aurait beaucoup plus de monde heureux. Beaucoup plus de monde heureux. Heureux. Mario a de sérieux problèmes de couple. Hey, ça a l'air de ça, hein? T'as vu? Le vieux réflexe de culpabilité. Il parle d'un ami au lieu de parler de lui-même. Mais heureusement, j'ai tout saisi. Jérôme, tu vas pas te mêler de ça, là. Ben oui, mais c'est mon devoir de futur professionnel. Écoute, je vais faire venir le docteur Dallaire ici, puis je vais le présenter à Mario. D'abord, ça va aider Mario, puis ensuite, ça va me faire un beau cotype. Oh, Jérôme! Occupe-toi donc de tes petits spectacles, puis laisse donc les vrais problèmes entre les mains des professionnels, OK? Tu fais simple. Et puis, professeur, comment trouvez-vous l'ambiance du bureau? Ah, je trouve ça un peu trop froid. Trop rangé. Pas assez détraqué. Ah, venez. Je vous présente mon amie Sylvie, une grande professionnelle du spectacle. Chantez. Le professeur Dallaire a toujours été fasciné par le monde du spectacle. En tant qu'observateur, j'aurais aimé être critique. Ah oui? Sans pourtant, vous n'êtes pas encore assez détraqué pour ça. C'est la personne en question. Qui? C'est la personne... En question? Oh. Et puis, professeur, à quel type de personnalité croyez-vous que nous ayons affaire? C'est difficile à dire, mais extérieurement, on peut noter une certaine originalité dans le choix des vêtements. Pour ça, oui. Et en particulier dans le choix de la robe. Hein? Non, pas elle. Lui. Ce Mario Duquette dont vous m'aviez parlé. Celui qui a des problèmes de couple.
Je m'excuse de vous demander pardon, s'il vous plaît. Mario, je te présente M. Dallaire. C'est bien plaisir. Hey, Guette, c'est ça qu'il me faut. Pardon, M. Boivin. Monsieur Dallaire est professeur en psychologie à l'Université de Montréal. Ça fait bien chaud au cœur. Un spécialiste dans les problèmes de couple. Mets-moi ça aussi. Monsieur Taillibert. Dallaire. T'aurais pas pu me dire ça avant? Comme ça, vous êtes capable de réparer des couples qui sont en train de se briser? Ça dépend de leur évolution. Est-ce que je peux vous voir dans le particulier? Certainement. Si j'ai les téléphones ou Jean-Jacques me cherche, n'importe quoi, des appels en vain, je suis en conférence avec monsieur. Je vous précède et vous cède le pas. Très vite. T'as vu? Formidable! T'es sûr au moins que ton Dallaire, que de... il est bon? Oh, il est extraordinaire! Mario et sa femme vont venir comme autant de leurs premières amours. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Alors voilà, c'est toute leur histoire. Ah, c'est tout? Ben, en plus de ça, un matin, il y a eu la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres. Ah, pardon? Ben oui, elle veut partir en voyage, lui, il va pas pour tout. Ah, bon? Remarquez que je pourrais vous révéler un tas d'autres choses confidentielles, mais mon ami m'a fait jurer le secret entre lui et lui-même. Ah oui, votre ami, oui, on m'a mis au courant. Dis donc, la femme de votre ami, quelle sorte de tempérament a-t-elle? Oh, c'est une femme qui est charmante, bien enlevée de sa personne, jolie, mais tempérament plutôt frette. Allez, on dirait qu'elle veut tout tenir par le bout du nez, le genre, c'est fatigant. Vous comprenez? Je vous comprends très bien. En plus de ça, ça me surprendrait pas que mon ami ait des petites sauteries on the side. Vous ne saisissez? Je vous saisis très bien, mon cher monsieur Duquette. C'est tout à fait normal. Bonjour, madame Lemay. Bonjour. Est-ce que Jean-Jacques est dans son bureau? Oui. Est-ce que tu penses que ça le dérangerait si j'allais lui parler? Non, pas du tout. Si. Oui? C'est moi, ta petite Florence. Est-ce que je peux entrer? Oui, maman. Merci, mon chaton. J'en ai pour 2 secondes. Ouais, bien, ceux-là, en tout cas, on peut dire qu'ils n'ont pas de problème, hein? Je gâche que ton Dallaire, il le retrouverait pareil. Que c'est drôle, la vie. Des fois, le patron puis sa femme, ils s'engueulent, puis dans le fond, ils s'adorent. Tandis que Mario puis sa femme, ils sont toujours en train de se montrer qu'ils s'aiment devant tout le monde, puis ils s'embrassent, puis tout, puis ils vont divorcer bientôt. Pas drôle, la vie. Non, ma petite Huguette, c'est pas drôle, la vie. Puis tu vas voir, c'est pas tout. Comment ça, c'est pas tout? Tu vas voir. Quand tu vas être grande, là, ça va être pire. Ouais. Tu prends le café? Oh, bonne idée. Mes deux patrons sont en stage de thérapie dans leur bureau respectif. Faut pas les déranger sous le prétexte ridicule de leur demander la job. Excellent réflexe. Eh bien, professeur Boisvert... Vous m'avez été d'un très utile. Ah, de rien, j'en ai déjà frappé des pires que vous. Hein? Que votre ami. Oui. Mais je dirais que dans le fond, c'est pas mon ami qui est le pire. C'est sans doute son épouse qui est le plus pire. Oui, son épouse. Ah, oui. Oh, Flo! Bon. Ben quoi, j'ai pas le droit de venir au bureau. C'est la femme de mon ami. Florence, laisse-moi t'arrêter pour t'introduire au docteur Villemer. Log, oui, c'est ça. Mario. Oui. Viens rester une minute. Et ça me fait plaisir, patron. Mille excuses, encore une fois. Oh, madame. Vous savez, je vous connais plus que vous ne le croyez. Vraiment? Oui, votre mari m'a beaucoup parlé de vous. Ah, mon mari? Oui, bien, rassurez-vous. Je suis un expert en thérapie de groupe. Je sais être discret. Et il vous a parlé de moi, mon mari? Enfin, pas tout à fait. Disons qu'il est passé par l'intermédiaire d'un ami. Ah? Celle-là est forte.
Cette nuit, mon amour... Mon Dieu, que ça fait dîner! Eh oui, vous avez l'air d'une femme dangereuse. J'ai repris goût à la vie. Ça m'arrive, à chaque fois. Eh oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire, là, vous? Qu'est-ce qui vous arrive? Comptez-moi ça. Mario. Ouais. Ma femme est revenue dans mon bureau. Ben. Et puis, en 5 minutes, on a... Chut! En 5 minutes? Qu'est-ce que vous avez fait de vous, vieux snorlo, en 5 minutes dans le bureau? Toi. On s'est réconciliés. Oh! Vous êtes réconciliés? Ah, regarde, ça n'a pas l'air à te faire plaisir. Un bon yen de bout de crayon, moi. Ah ben, ça doit être pour le temps mieux. Mario, je te souhaite presque des troubles de ménage. Parce que la réconciliation est toujours merveilleuse. Ah, moi, jamais, jamais, patron. Néo, ben ça tombe bien. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre première rencontre, Thérèse pis moi. Ah oui? Ben, c'est pas d'aujourd'hui, c'est même plus que d'avant-hier. Ça fait 15 ans aujourd'hui, c'est pas bien, hein? C'était à l'hôtel Les Flots Bleus, à Saint-Gabriel-de-Brande. On était sur les bords merveilleuses et enchanteurs du lac Masquinongé. On avait dansé un beau plein, là. Les Platters Smoke Get Senior. Ah, c'était donc joli. Ah, puis là, je la vois déjà, elle doit s'en venir. Me faire une surprise avec... M'amener souper avec un petit cadeau, là. Puis moi, là, je fais le surprise, l'innocent. Je fais comme je le savais pas. Oui, courait-il là? Dansez tous deux la boucle des yeux. D'après ce que m'a dit votre mari, je suis... persuadé qu'il y a de gros problèmes entre vous deux. Vous croyez? Sans aucun doute possible. Dites-moi, madame. Comment sont vos rapports sexuels avec votre mari? Docteur, est-ce que c'est vraiment important? C'est capital. Et surtout dans le cas de femmes qui, comme vous, ont épousé des hommes beaucoup plus jeunes qu'elles. Mon mari plus jeune que moi? Avouez que c'est assez évident. Évident? Si je parais plus vieille que mon mari, alors... vous avez raison. Mon ménage tourne plus rond. Mon Dieu, tu vois que Mario est encore avec ton docteur? Il est encore plus malade que je pense. Oh, Mario! Tiens, c'est pas Madame Tiquet. Bonjour, Jeanne, ça va? Oui. Vous comprenez, je m'en viens chercher Mario pour souper, hein? Parce que ça fait 15 ans aujourd'hui qu'on s'est rencontrés. Mm-hmm. 15 ans de bonheur. 15 ans? Ah oui. Ah, j'oublierai jamais le jour où je l'ai rencontré. C'était à Sainte-Émilie de l'Énergie. Un club qui s'appelait le Blue Tango. Hey, les jeunes, on t'avait dansé une cha-cha-cha. Oh, que je le trouvais donc beau. Il était pas swell comme il est aujourd'hui, que si vous voulez, il n'y a pas d'argent pour s'habiller de même. Il passe à tous ses étés, là, chez ses parents à Joliette. Ça fait que... Ah, mais mon petit trognon! Qu'est-ce que tu fais, là? Hein? C'est pris! Là, Mario, t'étais pas dans le bureau avec le professeur? Ben non. Hein? Alors, c'est un cours avec? Vous avez raison, docteur. Il faut que mon mari et moi, on suive une psychanalyse. Chère madame, venez à mon bureau dès ce soir. Excusez-moi. Je voulais vous dire que pour elle, tout est arrangé. Oui, oui. Elle est dans un état lamentable. A toujours été de même. Faudra vous ouvrir les yeux, mon ami. Ah. Professeur Robert, qu'est-ce que vous y avez fait? Ah. Urgent. Sans aucun doute pour moi. Mario Duquette à la fenêtre. Vous a pris de... Non, taisez-vous. J'ai découvert des éléments sensationnels dans la vie de ce Mario Duquette. Laissez-moi donc observer. Hein? Jean-Jacques, ça va très mal entre nous. Ben voyons, Florence, tu viens de me dire... Le docteur Dallaire vient de me faire comprendre qu'il est essentiel pour nous de suivre une psychanalyse ensemble. Quel docteur Dallaire? Je t'en veux pas de pas m'en avoir parlé plus tôt. Mais c'est un homme lucide. Il va nous faire beaucoup de bien. Voyons, Florence, calme-toi. Je suis très calme. Écoute-moi bien, Jean-Jacques. Ben oui, c'est...
compte, oui. Pardon, non, non, monsieur. Ah, non, c'est pas vous, je parle. Non, non, mais comme je disais, M. Nadeau, c'est trop important, ça prend besoin de précision. La belle cravate, oui, oui, oui. La cravate. Non, non, c'est pas vous. Non, non, j'ai pas demandé de porter une cravate. J'ai dit, non, c'est. Hey. On va prendre le dossier 1430X. Non, non, je vais. Oui, M. Nadeau. Non, 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 non. Comme vous voyez, je me suis trompé. Sa vie sentimentale est au beau fixe. Non, cher élève, vous ne vous êtes pas trompé. Non, cet homme est heureux parce qu'il y a une autre femme dans sa vie. Madame. Madame, s'il vous plaît. Madame. Venez par ici, s'il vous plaît. Non, pas à vous d'aller voir le docteur. C'est des amis qui sont en visite au bureau. Madame, je suis psychologue et mon client, M. Duquette, m'a parlé de ses problèmes sentimentaux. Oui. Mario? Oui. Exactement. Des problèmes sentimentaux? Oui. Madame, ne riez pas. L'équilibre de Mario et de sa femme me tiennent vraiment à cœur. Ah, oh, ben merci bien. Je vous en prie. Avec vous, oui. Vous me faites rire. Je vous remercie, mais votre attitude, madame, s'il vous plaît, votre attitude et votre présence confirment mes théories. Ce monsieur Duquette réussit à survivre parce qu'il y a une autre femme dans sa vie. Oui. Et puis, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il affiche sa liaison ici même au grand jour devant ses collègues de travail. Bon, oui. Et on le voit. Bon, allez, mon petit lard, je peux le rouvrir mon cadeau. Dame d'âne. Tu peux à peine. Comment? L'autre dans le fond des cadeaux! Comment, l'autre? Bonjour, mon petit lard. Jean-Jacques a compris, lui aussi. Jean-Jacques, lui aussi. Jean-Jacques Lemay, patron du bureau. Ah, le patron! Vous avez un bureau fort évolué. Merci, Mario, de m'avoir ouvert les yeux. Inquiète-toi. On va suivre la psychanalyse. Non, inquiète-toi pas, Thérèse. Tout le monde a ses problèmes de couple, nous autres aussi. On va tous suivre une psychanalyse avec le docteur Allen. Écoutez, professeur, je pense qu'il y a comme une erreur. Non, pas du tout. J'ai trouvé la solution. La solution. Tout le monde, s'il vous plaît, dans la salle de conférence. Un traitement choc. Et après le traitement, un nouveau bonheur. Je vais commencer le traitement par un choc. Mesdames et messieurs, vous vous êtes trompés de conjoint. Quoi? Oui. Vous, madame, vous allez quitter votre mari et aller vivre avec cet homme pendant un mois. Et vous, monsieur Duquette, vous allez quitter votre femme et aller vivre avec cette dame pendant un mois. Hein? Professeur, vous avez réussi! Professeur? Professeur? Qu'est-ce que vous faites? J'appelle mon psychiatre.